Aujourd'hui sur OM5 TV, je voudrais vous présenter Doudou Bastide. Si vous ne la connaissez pas, moi, je la découvre. Et alors, je découvre un petit bout de femme extraordinaire. Ce que je vous propose avant de la découvrir en interview, c'est de la découvrir sur scène. Et on revient juste après. C'était un carnaval, je t'avais rencontré, tu m'avais invité et nous avons dansé. Pendant quelques temps, nous nous sommes aimés, à devenir fou, tu es venu vers moi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en regardant cette vidéo, on sent que c'est quelque chose que vous faites naturellement. Enfin, vous, y a pas, on se complique pas la vie, on fait les choses qu'on aime. Ah ben, normalement, un artiste, c'est ça. Il complique pas. Comme il vient, il le fait comme. Parce que cette vidéo, je l'ai fait quand j'étais allé faire une interview sur RFI. Mm-hmm. On m'a filmé comme ça, naturellement, comme tu voilà, as dit. C'est ça. Et puis, moi, je suis comme ça, je suis spontané, je fais tout naturellement. Et alors, la musique, ça a commencé à quel moment? Ah ben, c'est quand j'ai laissé mon pays, Haïti chéri, et je suis installé à Martinique. Mais avant Martinique, j'ai déjà fait toute la Caraïbe, c'est-à-dire Canada, Mexique, Guatemala, Miami, New York, en fait toute l'Amérique, quoi. Et après, je me suis revenu à la Martinique pour me marier. Et avec un Martiniquais. Non, avec, oui, pas un Martiniquais, un blanc, enfin, oui. quelqu'un qui naît à Paris est blanc, un blanc, voilà. Un blanc, comme alors, on dit. Et alors, la musique, parce que tu avais grandi avec quand tu étais petite, ah, parce ouais. que ton papa est guadeloupéen et ta maman est haïtienne. Bien sûr. Et est-ce qu'ils faisaient eux-mêmes de la musique? Non, pas du tout, pas du tout. Et justement, c'est parce que mon enfance, c'était difficile, parce que, enfin... C'était difficile, en même temps, c'était joyeuse. C'est parce que dans mon enfance, j'étais élevée avec ma grand-mère. Ça s'appelle grande, en créole, on dit grande moins. Mm-hmm. Et ma grand-mère, il me dit tout le temps, si tu veux, comme j'aime beaucoup de carnaval, Mardi Gras, tout ça, parce que quand on dit Mardi Gras, j'ai envie de danser, chanter. Mm-hmm. Et puis c'est très puissant, Mardi Gras, carnaval. Alors, j'ai dit à ma maman, oui, je vais faire tout, maman, je vais faire tout. Elle me dit, après, il faut faire à manger. J'ai dit, oui, je vais faire à manger. Et j'ai fait à manger, je vais mettre la table, je vais mettre les chaises comme il faut. Et après, carnaval, Mardi Gras arrive, j'ai allé voir Mardi Gras, j'ai passé l'après-midi. Et puis, quand on est entré, c'est vers 6h du soir, et puis on s'est mis à table pour manger. Et puis ma grand-mère, c'est pareil, il me dit que, avec ma grand-mère, il faut que je te fasse tout ce qu'il m'a demandé de faire. Mm. Pour que je sorte un peu dans la maison. Oui, il y avait l'éducation hein, qu'il fallait suivre. Ah oui. Il faut aussi. Ma grand-mère, elle m'a dit qu'il n'était pas levé comme ci, comme ça. Mmh. Voilà. Il faut suivre les règles et voilà. Puis après, on peut aller dans le monde. Voilà. Et alors, le premier album de Doudou Bastide, il sort pas au nom de Doudou Bastide, il sort au nom de Raymond Bastide. Raymond Bastide, justement. C'est bien ça, c'est bien. Oui, parce que je me suis fait connaître à Fort de France. Sous la radio et Lève du bout à la rivière pilote. Mm-hmm. Et après, je me suis fait connaître dans la radio Côte Lambi, SCI, RFO Martinique, et radio Campèche, mm-hmm. toutes les radios. Je me suis fait connaître avec ces noms-là. Et puis après, j'ai dit Raymond Bastide. Pourquoi j'ai donné Raymond Bastide? Comme on m'appelle quand j'étais petite, baby. Mm. Alors, mon mari m'a dit, mais non, Doudou, maintenant, il ne faut pas rappeler Raymond. Ça ne colle pas, Raymond Bastide. Oui. Alors, j'ai dit, ah, mais je vais mettre tous les albums que je vais faire ensuite. C'est Doudou Bastide ou baby. Mais mon mari m'a dit, mais non, tu n'es plus baby, tu es grand maintenant. Mais tu es déjà marié, tu n'es pas une enfant. On ne peut pas t'appeler baby. Hein? Voilà. Et puis, c'est voilà. C'est devenu Doudou Bastide. Doudou, parce que ton mari t'appelle Doudou? Oui, depuis que j'ai rencontré mon mari, il m'appelle Doudou.
C'est bizarre tout ça. Et parce alors que... maintenant, c'est tout le monde qui t'appelle Doudou. Ah ouais, tout le monde. Mon vrai nom artiste, c'est Doudou depuis, depuis 15 ans. Plus que 15 ans. Plus que 15 ans. Oui. Après avoir fait ses albums donc, sous le nom de Raymond Bastide, mm-hmm. maintenant, tu viens de sortir ton huitième album, Doudou Bastide, et ça s'appelle « Je vous aime vraiment ». Et j'ai l'impression que l'amour est un de tes thèmes préférés. Ah mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas faire hypocrite pour dire à quelqu'un « Oui, je vous aime vraiment », et puis en même temps, en sortant d'ici, j'ai commencé à critiquer cette personne, et c'est pas l'amour ça. L'amour, on prend les gens comme il est, comme il vient, et avec son défaut, avec son caractère, comme. Et puis l'amour, c'est pas quand on a besoin de quelqu'un, il faut penser à elle, c'est tout le temps. Il faut penser à cette personne. Et c'est ça l'amour. Et parce qu'il y a des. Je vous aime vraiment. Parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai des amis que je rappelle. C'est toujours moi qui rappelle. Mais il ne répond pas. Je me demande pourquoi. Et c'est pour cela que j'ai écrit aussi cette chanson qui dit c'est pas pour de l'argent que je vous aime. C'est parce que je vous aime c'est vraiment. C'est pour ça que tu as sorti de l'argent devant toi. Oui. C'est pas pour. Ça, c'est vrai. Oh. Oui. Ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'argent. Oui, parce que les gens qui aiment des gens pour l'argent. C'est pas de l'amour. Alors je dis, c'est pas pour l'argent que je vous aime parce que je dois t'aimer et puis je vous aime pour toujours. Oui. Hein? Et alors voilà. Il y a une phrase que tu dis aussi, c'est quand on aime, il n'y a pas de souffrance. Ah ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne vois pas pourquoi les gens compliquaient autant la vie. Mais c'est seulement aimer. Et puis en plus, il faut être amoureuse. Même si tu n'es pas amoureuse de quelqu'un vraiment. L'amoureuse de la vie. Dans la tête. Mais toi, toujours, je suis amoureuse. Tu vas voir, la vie, elle est belle. Elle est facilement. Parce que la vie n'est pas facile de vivre. Hein. Parfois, je demande, pourquoi est ici? Oui. Quelle est ma mission? Ouais. Donnez-nous la main pour vivre une terre de liberté que nous pourrons chanter tous ensemble et danser. Parfois, je demande. Mais quand on prend la vie des bons côtés, la vie est belle. Hein, voilà. Et c'est ce que tu dis dans tes albums, aussi bien dans ce huitième, le dernier, que dans les autres. C'est toujours faites l'amour, pas la guerre. Non, je dis pas les gros mots comme ça, mais j'ai pas la parabole. Quand je dis faites l'amour, pas forcément l'amour physique, soyez dans l'amour. Oui, en gros, j'ai dit embrassez-vous, même si vous connaissez pas. Oui. Dis bonjour aux autres, donnez un sourire, être gentil. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour dépenser pour notre vie. Mais l'argent, pour payer le loyer, acheter à manger. Mais le plus important, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui sont très malheureux. Oui. Ils n'ont pas d'amis, ils sont malades. Hein? Tandis que si tu as seulement 20 euros pour manger, tu aimes les autres, tu aimes la personne pas pour 20 euros, ah ben, tu es heureux. Tu manges bien. Tu manges alors, avec les souris. Oui. Et alors, on sent bien que Doudou Bastide, c'est quand même quelqu'un qui est foncièrement positif. Et alors, dans les couleurs, vous adorez ça. Vous adorez mettre les couleurs en avant. On a vu aussi quelques toiles que vous faites. Alors, comment on peut définir le style Doudou Bastide? Ah, mais Doudou Bastide, tout simplement. C'est quoi que vous faites? C'est de la peinture à l'huile, Non, c'est la gouache. Doudou Bastide, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Le jour qu'elle est à la maison, il y a un problème qui arrive dans le monde. J'ai pris une toile, j'ai peint. Je mets un point pour chaque personne qui souffre dans le monde. Un point d'amour. Un point pour tous les pays, parce qu'il y a des milliers de pays. Oui. Alors, comme je ne peux pas dire, je vous aime, je vais t'embrasser. Alors, je mettais un point pour chaque personne. C'est chouap. Et sinon, je fais tac. Tu vois? Tac. Et après, bien sûr, les gens peuvent voir ce qu'ils veulent dans ma peinture. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Doudou, je vois une rivière, ou sinon, je vis une femme qui accouche. Je dis, ah non, mais moi, j'ai peint. J'ai peint. Et après, comme je n'étais pas bien, j'ai peint. Parce qu'une artiste de peintre ou qui chanteuse, qui compositeur, quand il compose, il n'est pas bien. C'est des choses qui se passent. D'accord. J'ai... Alors c'est drôle parce que vous n'êtes pas bien, mais quand vous composez des chansons d'amour, et quand vous peignez des choses très colorées,
très gai quelque part, alors que c'est au départ parti de quelque chose de triste. Oui, c'est triste, mais en fin de compte, je ne peux pas envoyer les choses négatives sur les gens. Je dois penser que c'est... Et pourquoi vous n'êtes pas comme la peinture, la gouache et Fauvis? Pourquoi vous n'êtes pas comme l'amour? Pourquoi est-il pas comme l'amour? Il y a un album à côté, juste à côté. Pourquoi est-il pas comme l'amour? C'est comme ça. Non, pourquoi tant de souffrances dans le monde? Pourquoi vous ne donnez pas un peu tout ce que vous avez à la banque? Ce n'est pas moi ou ça, dans ton matelas ou dans les sacs oreillers. Donnez un peu, il y a des gens qui souffrent. Pourquoi es-tu pas comme l'amour? Voilà. Oui, donnez un peu d'amour d'abord, avant ce fameux argent que vous montriez tout à l'heure. Voilà. Oui. Voilà. Je pense que si les hommes sous terre, l'humanité pense comme ça, mais la vie elle est devenue l'autrement, comme aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, malgré on a tout. Mais les hommes ne comprennent pas. Ils pensaient que c'est tout ça matériel qui rend les gens heureux. Qui est important. Hein? Alors important. L'amour, c'est important. Dans cet album, par exemple, Je vous aime vraiment. Vous chantez en français, vous chantez en créole. Qu'est-ce que vous préférez chanter en quelle langue? Dans la langue créole. Parce que dans la langue créole, tu ne peux pas faire des fautes. Parce que ça vient de cœur et dans ton estomac, dans ton cœur. Alors, tu exprimes sans réfléchir. Oui. Et moi, quand je compose, si c'est en créole, je prie. Normalement, maintenant, on ne parle pas, chanter et très long. Hein? On dit l'essentiel. Moi, j'ai dit l'essentiel maintenant. C'est ce que je pense. Et puis, c'est bon, avec la belle musique derrière, des belles musiques. Et alors, c'est quoi? C'est musique un petit peu comme on a vu dans la vidéo? C'est toujours quelque chose de festif? Ah ouais, oui. Toujours. C'est, ou alors, ça peut être... C'est pour danser, c'est pour danser. Ah, c'est toujours pour danser. Ah, pour danser, pour faire oublier les problèmes. C'est pas des chansons d'amour juste pour rester comme ça? Non. Parce qu'on peut... Mais on peut pas toujours chanter l'amour. Mais je chante l'amour... Mais pas l'amour pour les cocheter comme. Oui, pour ce. C'est-à-dire. Oui. C'est pas mais, un slow, c'est voilà. De l'amour. Mais on peut le faire en slow, comme tu dis. Hein. Mais je ne pense pas, quand je compose, je dis que je compose pour toi. Oui. Je te vois comme ça. Je te vois Jeff comme ça. Je te vois, je ne sais pas moi, un animateur comme ça. Hein. Et puis, c'est comme ça, je dis, vous êtes comme ça. Je pense comme ça. Je pense que ma musique sera. Bon pour toi. D'accord. Voilà. Donc, puisque c'est bon pour moi. Ah ben oui. Parce que la musique, c'est une remède. Hein? C'est plus fort que les médicaments. Aïe. La musique et l'amour. Toujours, l'amour. Hein, on y revient. Alors, je suis habillée, je suis accessoirisée par Doudou Bastide, qui a fait un bracelet, un collier. Elle m'a apporté une bague. Je suis gâtée aujourd'hui. Mon invité m'a offert un gâteau. En tout cas, merci, Doudou. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils, je sais pas, qu'ils disent « Ah bah, allez, je vais aller écouter cet album ou je vais aller l'acheter. » D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez l'acheter à Paris chez Debs Music. Alors, c'est 70 Boulevard du Faubourg Poissonnière. On vous donnera l'adresse. C'est ça. Et autrement, l'album est disponible dans partout, dans toutes les FNAC. Sous toute la planète. Ils vendaient aussi sous la planète. Hein. La planète, c'est Internet. Hein. Ah ben, Tapez Doudou Bastide, je suis partout en vente. Voilà. Sur Google, vous écrivez Doudou Bastide et vous allez avoir toutes sortes de liens. Vous allez voir quelques vidéos aussi sur elle. Pour découvrir ce personnage extraordinaire qui vit depuis, plus de 30 ans à Paris. Yeah. Est-ce qu'un jour, Doudou Bastide va rentrer à Haïti ou en Martinique ou en Guadeloupe? Non, surtout je vais rentrer à Haïti pour saluer mon pays, parce que c'est un pays bien. Martinique aussi, Guadeloupe aussi. C'est Haïti, Guadeloupe, Martinique, c'est pareil. Oui. C'est pareil, c'est même des choses, c'est même chose on mange, c'est même maison parfois. Parfois, quand j'étais à Fort-de-France, j'ai vu des maisons, j'ai dit, ah, mais ça, c'est chez moi, ça. Ça, il y a une maison, on a une maison comme ça, tu vois. C'est les mêmes créoles, c'est... Mais par contre, Doudou n'ira plus revivre là-bas. La vie de Doudou Bastide, c'est ici à Paris. Ah non, parfois j'ai des boules, hein. Ouais. J'ai obligé de partir, revenir. Mais pour composer... Pour aller prendre un petit peu de soleil, pour aller prendre un... Ouais, pour aller parler aux gens. Parce que c'est un pays d'amour. Parler aux gens, au peuple. Hein? Dis bonjour au peuple. Et puis le peuple, il vient chez toi. Par milliers. Hein?
Par milliers, il vient. Sans pour donner quelque chose, il vient te juste voir. Juste pour discuter. Et pour parler, il vient te voir. La fille à Madame Toyo est arrivée, voilà. Bon. Et est-ce qu'on peut voir Doudou Bastide en concert à Paris? Et c'est pas prévu. Bien sûr. Si, c'est prévenu, mais je n'ai pas encore la date. D'accord. Mais pas la date. Quand tu auras la date, il faudra nous la donner pour qu'on puisse la communiquer à nos téléspectateurs, aussi bien sur la page d'accord. Facebook que sur le site. En tout cas, je vous rappelle que le dernier album de Doudou Bastide, Je vous aime vraiment, vient de sortir. Il est disponible à Paris, bien sûr, rue 170 boulevard du Faubourg Poissonnière chez Def, à Dez Music. Voilà, il va être content. Ouais. Et puis autrement disponible chez toutes les FNAC. Vous allez partout. Demandez, je vous aime vraiment. Vous n'avez même pas besoin de demander Doudou Bastide parce que vous connaissez les noms déjà. Je vous aime vraiment. Je vous aime vraiment, le titre de cet album à découvrir pour découvrir cette chanteuse, artiste, peintre, auteur, compositeur qui est originaire d'Haïti et de Martinique aussi, de la Guadeloupe, par oui, le papa. Enfin, merci Doudou. C'est moi qui te remercie au fond du cœur. Naïs. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je t'appelle Doudou comme moi. Hein. Voilà. Je te remercie Doudou pour avoir m'invité dans ton émission. Très jolie, très belle émission. Je remercie la télé la télé, j'ai déjà passé plusieurs fois déjà. Mm. Et puis j'espère que quand le clip va faire, c'est pareil, il va venir dans la télé. Et puis comme ça, les peuples vont me voir. On va pouvoir transmettre tout l'amour que tu mets Il va voir qui est sacré doudou, parce que je suis un sacré doudou. Voilà, une sacrée doudou. Merci doudou. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci, au revoir. Au revoir.